Le 15 juin dernier, Angoune était à l'honneur dans la roseraie du parc de Bagatelle, pour une raison très particulière. Pour l'occasion, elle était vêtue d'une courte et ravissante robe en maille blanche. Angoune, récemment de passage dans la 5e saison de Masked Singer, partage désormais son nom avec une fleur. Le 15 juin dernier, dans la roseraie du parc de Bagatelle de Paris, la chanteuse franco-indonésienne a été aperçue les épaules dénudées dans une courte et ravissante robe blanche en maille, et surtout avec un impressionnant bouquet de roses dans les mains. Ce sont des roses blanches de la maison Meillant International, leader mondial de la production de roses, note de la rédaction, qui possède 40 pétales, un parfum fruité et sucré, ainsi que désormais le nom Angoune. Ce baptême a eu lieu en fin de journée, à l'occasion du 116e concours international de roses nouvelles, compétition internationale qui se déroule chaque année à la roseraie du parc de Bagatelle à Paris, pouvait-on lire dans un communiqué. Sa fille présente pour ce grand jour Angoune a notamment été photographiée en train d'arroser ses roses avec qui elle partage donc désormais un lien très fort. Elle a également tenu un discours. Avoir une rose si belle, si pure, qui porte votre nom, si est un immense honneur. Cette variété de roses blanches, délicatement parfumées, est à l'image de la féminité et d'une forme d'innocence. J'ai hâte de voir cette fleur fleurir dans mon jardin, s'est réjouie la chanteuse. Je me remercie Mathias Meillant et les équipes de l'établissement Meillant pour cet immense honneur, je suis très touchée. Et je suis d'autant plus ému que ma fille, Kirana, née en novembre 2007 de sa précédente union avec Cyril Montana, note de la rédaction. Ce moment a une signification toute particulière. Merci aux organisateurs et aux équipes de la ville de Paris pour ce bel événement, dans de si jolis endroits, a-t-elle ensuite ajouté afin de conclure ce beau discours très touchant. Un moment fort en émotion donc, pour celle qui est aujourd'hui mariée à Christian Kretschmar, photographe de profession.